Salut la team, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous tuto. Alors aujourd'hui, on va se faire un tuto très rapide, un morceau que chaque bassiste a au moins un jour pour tenter de jouer ou jouera de toute façon. C'est l'incontournable Without You des U2. Donc j'ai remarqué que lorsque l'on débute ce style de morceau, on a beaucoup de problèmes avec le temps. Les slimes qui ne sont pas joués ou sont joués, mais donc à contre-temps forcément. Et surtout des problèmes de saut de cordes hein, lorsque l'on passe les notes. Donc nous, on va voir tout ça, ok? Je vais vous montrer comment rester dans le tempo, comment passer les slides, et tout ça sur une seule corde. C'est simple, mais super efficace. C'est parti, prenez vos basses, on y va. Alors c'est parti. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez quatre mesures de quatre temps jouées à la croche. Ok. Vous savez qu'une noire égale deux croches, donc on place huit notes par mesure. Ok. Huit notes par mesure. Alors on va déjà, comme je vous ai dit, hein, on joue sur uniquement une corde. Ça va être la corde de mi. Ok. Au niveau des notes, comme indiqué sur la tablature, donc vous avez le ré, ok, dixième case, corde de mi, ensuite le la, cinquième case, corde de mi, le si, septième case, corde de mi, et enfin le sol, ok, troisième case, corde de mi. Et ça, c'est répété en permanence. On va le faire lentement au départ, ok. Ça c'est répété en permanence. Alors sur la tablature, vous voyez, je vous ai mis donc les 8 notes à jouer plus un S. Ce S correspond au slide que l'on va jouer donc pour passer d'une mesure à une autre. Ok. Je vous le fais lentement. Donc c'est ça tout le long. Alors donc après on reconnaît bien la position des notes sur le manche. On va compter en croche. Donc c'est-à-dire que la noire ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ok. Si on joue en croche ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok. Le E c'est une croche. Bien connaître sa position des notes sur le manche, vous comptez en croche, vous passez les slides, pardon, ok, 1 et 2 et 3 et 4 et slide, 1 et 2 et 3 et 4 et slide, 1 et 2 et 3, tout ça, vous y allez tranquille et vous jouez comme ça dans le tempo, on joue uniquement avec l'index, ok, c'est plus simple pour glisser. Ok, j'accentue le truc. Ok, donc tout ça, vous travaillez lentement, si possible avec un métronome, puis vous augmentez. Une fois que vous l'aurez bien en main, ça devrait rouler tout seul. Donc, et ben bon courage au boulot, et puis soyez patient, travaillez, il n'y a pas de problème, ça va venir. Ciao.